Ok, re tout le monde, ou bonjour pour ceux qui sont là en début d'après-midi. C'est Jake sur Evasan Studio et c'est l'avant-dernière session de Mario 35 en stream. Le jeu se termine précisément dans une semaine. Donc on va en profiter encore un petit peu et il y a des choses qui sont passées entre temps. Entre temps, on a accès à une bataille spéciale jusqu'à l'avant-dernier jour de disponibilité du jeu. On va la faire bien sûr, j'ai déjà testé. Les quêtes du jour sont faites. Et il se trouve que dans les stats, tout allait bien jusqu'à tout à l'heure. Parce que j'ai fait deux parties juste en off comme ça, sur les quêtes notamment. Et vous allez voir par vous-même. Hein. Tout allait à peu près bien. Et puis un petit 19, là, le petit 19 qui fait mal. Pour le faire disparaître, celui-là va falloir faire 10 parties. Et clairement, ça ne sera pas fait ce soir. Donc c'est dommage. Mais sinon, après, ça va. Il y a 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 3, 3. C'est plutôt correct. Il y a le 1 qui est très bien, le 2 aussi, le reste est correct. Enfin, parfait, mais correct. Mais par contre, le 19, ouais, très rapidement, la partie s'est très, très mal passée. Donc, on va commencer avec cette fameuse bataille spéciale. A une particularité, c'est là vraiment la dernière bataille spéciale de tous les 6 mois de dispo de Mario 35. Cette bataille spéciale, c'est tout simplement les niveaux dans l'ordre. On va avoir le défilement des niveaux dans l'ordre, chose assez inédite pour Mario 35. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, il y a un challenge mondial dessus. Donc voilà, il faudrait, je crois qu'il faut récolter 350 millions de pièces ou battre 350 millions d'ennemis. C'est une bêtise comme ça. Et tous ceux qui participent à la bataille spéciale durant la période, jusqu'au 30 mars, peuvent remporter des points platine Nintendo. Oui, ça existe encore. À quoi ça sert? À avoir des fonds d'écran principalement. Écoutez, hein, Nintendo, ils font ce qu'ils peuvent. C'est une pauvre petite entreprise, tout le monde le sait. Enfin bon. On va commencer par la bataille spéciale. Donc ces fameux niveaux dans l'ordre. Histoire de vous montrer, on va peut-être faire une ou deux et après on reviendra sur la compétition normale. C'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, histoire de marquer le coup, c'est bien de faire cette bataille spéciale là spécifiquement. Pour qu'on ait droit à du Mario Bros. Dans l'ordre avec les warp zones classiques, vraiment ils sont allés jusqu'au bout de leur délire, c'est plutôt chaud. Ok, alors j'en ai fait plusieurs en off, tout était dans l'ordre, toutes sans aucune exception, même tout à l'heure avant le film. Donc je suis un peu d'aigle. Bon, c'est pas grave. C'est de faire quand même un peu de bataille spéciale histoire d'alterner avec le mode alternatif, le mode classique. Même dans l'article sur le suivi d'actualité directement sur Nintendo, c'est pourtant écrit que c'est dans le... Oh là mon dieu, j'ai fait faire que c'est les niveaux dans l'ordre. Oh mon dieu, le 6-3. Je crois qu'en stream il est jamais tombé, le 6-3. Alors, j'y vais tranquillou hein, parce que 6-3 surtout en comme ça il est très dur. Alors non, il y a une fleurette dans la case là, mais on va pas la prendre. Que le 6-3.
3 fait de mal à... Oh mon dieu, ça fait du mal à beaucoup de monde. On est déjà 4, hein. On est déjà plus que 4. On va y aller tranquillement. Et là, ça va être l'enchaînement. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bon, fin du niveau. Le 5-3 pour changer. Ah oui, c'est une bataille spéciale, bataille de, des arbres aériens, quoi. Allez, le petit Goomba. Là, il est apparu. Oh putain. Dur. Ok. Ok. On va attendre, on va attendre. Ah, ça dépasse. On peut avoir une étoile. Il suffit d'attendre. Fin du niveau. Allez. Le 3-3. J'ai même pas commencé le niveau, quoi. C'est pas grave, troisième. On peut regarder la fin. Hein. C'est soit Chris Pins, soit oh oh oh. 69 pièces. Ah, il a pas beaucoup de temps lui par contre. Ouais, il va se faire avoir sur le temps. Moi, ce qui est une flopée de... Non, tu peux pas, là. Il a voulu rebondir, il a pas pu... Ah, pas mal, pas mal. Mais pourquoi t'as pas sauté, non? Il avait l'étoile, fallait foncer. Mon dieu! D'où il sort ce sergent marteau là? Il a plus de pièces, il est complètement bloqué. Il est complètement bloqué, c'est fini pour lui là. Là. Il attend. Il peut rien faire, hein. Dommage pour lui. Dommage pour lui. On en refait une, tiens. Ça me frustre un peu que ce soit tombé sur. Que les niveaux 3 tous les mondes. Donc bon, on va voir. C'est la même chose, tant pis, ce sera rapide. Comment ça s'est passé là? On verra bien. Ah non, c'est pas la même. 4-1. D'accord, ça a changé, c'est pas la même. Et en fait, ils mettent... Oh mon dieu, la fleur direct. Pardon. On commence direct avec les lactus. Allez, lactus. Voilà, c'est bon. On s'en débarrasse. Doucement. Et voilà,
piraté. On trace. Ah, je me prends la propre carapace par la Valvakine à ma place. Ils vont me les lancer là. Allez! Oh non, c'est vrai. Trace. Le 8-2. Et on va se retrouver encore avec les latitudes. C'était la l'horreur jusqu'à la c'est un peu technique ça. 1, 2, 3. Ok. Ça auto. Oh, le retour du lac. Pas le moment là. Bon, il nous faut quelque chose. Par ça, par là. Très bien ça. Calme. Comment je vais faire pour... Ça c'est hyper technique. C'est bon, c'est passé. Ok, c'est bon. Une bataille spéciale, c'est... ça passe. Et que les niveaux latitude, c'est une chose. Si le 6-1, enfin le 1-1, comme on vient de voir, pour rentrer et revenir au 6-1. Les batailles spéciales, c'est à moitié random. Donc il y a quand même une logique entre les niveaux. Non. Ah! Wow, un peu plus c'était... Ça tombait sur moi. Cube 2. Je sais pas s'il est plus embêté que moi. Le... Il a l'air d'être...
Alors mon dieu, où tu peux vous deuxième. Dommage sur la fin. Vraiment dommage. Hein. Le drapeau, il était à ça. Vraiment à ça. Pas bon, deuxième. Ça fait 3-2. C'est correct sur une bataille spéciale. On en refait une, jamais 203. Histoire de... Comme ça, le 19, il s'en va petit à petit. Pour une fois, c'est un saut raté. Juste un saut raté. Donc bon, on va voir presque, ouais. Presque, presque. Le 2-1 ? C'est quoi la logique de la bataille ? Normalement, la bataille spéciale, c'est tout en l'air. Ou alors, ils nous enchaînent toutes les batailles spéciales, là, depuis le début de la création. Pas pour le moment, mais si vous voulez en physique, c'est trop bien. Pour la collection, alors, pour moi c'est un oui. Ils ont bien fait un Tetris 99 avec la physique au final. Mais, ils vont pas s'arrêter là sur ce type de jeu, c'est pas possible qu'ils s'arrêtent. Il y a deux jeux. Pas forcément le même auteur, quasiment, ouais. Je pense qu'il y aura un Zelda 2D, un vieux Zelda sur ce principe. Je vois pas pourquoi il pourrait faire. Ou un Kirby. Kirby, ça serait chouette. Non, pour la quitter. Hop. Comment elle s'est mise cette plante piranha là? Elle est sur le... D'accord.
Eh, ça va pas vite là sur cette partie. 17 encore. Qu'est-ce que je fais? Je saute sur l'obus. N'importe quoi. Encore une fois, l'obus qui me fait chuter. Et là, je fais comment? Qui tue sur ma gueule. J'en étais sûr. Ça s'est joué à 0,1 seconde et le temps qu'il sorte le pic. J'aurais pas dû attendre en fait, j'aurais dû lui sauter dessus de suite. Je sais pas si c'est de la chance, là. C'est juste pas doué en fait, c'est... ...5-1, allez, ça c'est un niveau pour tracer direct, mais par contre... Ah, ça, on a la force, là. Les batailles spéciales, c'est dur, ça c'est pas net. Mais par contre, il nous donne des bonus dès le départ. Décidé qu'elle voulait sauter sur les deux blocs, puis sur les deux blocs encore. Allez, yes, non, pas de bêtises, pas de bêtises. Qu'est-ce que tu fais?
timeline, j'ai pas vu qu'il y avait lui là-haut. Ma fleur. Wow, 5-2. Mais paye ta logique quoi. Attention la coupa. Mais la coupa à la maison. Très mauvaise partie. Là, j'ai vraiment très mauvaise partie. Très très mauvaise partie. Bon, on fait une dernière en bataille spéciale et après on retourne en classique. Histoire de voir comment sera agencée les batailles spéciales aujourd'hui. N'importe quoi sur la partie là. Donne une étoile, hein, on va pas la refuser. Hein. Non, je
j'aurais voulu que la carapace aille jusque Bowser. Mince. Comment je vais l'éliminer, moi? Avec un pao, petit pao. Oh non, j'ai pas rebondi. Au moins une fois. Cette carte, j'ai pas pu valider encore. Je le connais vraiment bien. Cette carte, je le connais beaucoup moins. C'est le tout dernier niveau, 8-4. Enfin, je le connais beaucoup. Je le connais. Par rapport à... Clairement le niveau le plus dur. Ce qui est normal quoi. Gère bien. Faut que j'aille sur l'avant-dernière marche. En partant en allant au 1. 1. 2, 3. Il les jette de manière random. En mode YOLO, c'est pas ça. J'avais pas besoin de prendre la flamme non plus, mais vu qu'il y avait un buzzer juste en dessous. Pour éviter les flammes, se mettre en hauteur et prendre 15 secondes. Non, je l'ai vu de loin, je l'ai vu. Ah, yes, sauvé par le pot. Je l'ai vu de loin. Ouais. Manque de temps. On va manquer de temps vu que ça défile vite. Je pensais partir vers le ciel, mais on va pas le faire. Parce qu'ici il y a une liane qui skip tout ça, enfin, skip tout le niveau. Ah purée. Attendez, prochaine. Elle monte. Elle descend, je saute. Retour de la fille. Vas-y, approche. Ah, les trois d'un coup, c'est gratuit. C'est la meilleure chose, c'est gratuit. Là aussi. Hop. C'est pas grave.
Stadia moins déçu par rapport à la partie d'avant. Parce que là, j'ai pu contrôler à peu près les choses. Mais bon, après, quand t'as 50 000 nuages qui t'arrivent dessus... Oui, bien sûr. Ah, il y a le 10 et 11. Bon, le 19 certes, mais le 10 et 11... Allez, on retourne en classique. On va essayer d'en faire 4-5 en classique. Et après, on verra ça. C'est bien 3ème. Oui, c'est bien 3ème. 4-5, ça va. 2-3, un peu mieux. Premier, bon, tout va bien. Mais de 6 jusqu'à la fin, ça va pas. Après, ça dépend des parties. Parce qu'il y a des parties où c'est... Ça ne dépend que des autres et pas de toi-même. Quand les joueurs te renvoient des ennemis, eh ben, tu peux récupérer le temps perdu. Mais s'ils te renvoient rien, tu perds sur le temps. Alors que tu avances dans tes niveaux tranquillement, mais tu perds sur le temps parce que tu n'as plus de temps. Parce que tu n'as aucun ennemi à écraser, donc tu prends pas les 2, 5, 9 là. C'est 2, 4, 5, je crois. Et les combats, c'est 1. Pas les deux DRC. On a pas de pratique. Mais vraiment les Mario Retro, parce qu'il y a la Advance. Ça oui. Oui, Mario 2D sur la. Non, je m'en souviens pas. C'est plus. Le Mario 64, c'est Mario 64. Thank you.
Pas trop. J'ai appuyé sur la boule de feu en même temps de pouvoir pousser la carapace, sauf que ça dépop la carapace et du coup j'allais foncer sur le Goomba comme si la carapace allait déjà foncer sur le Goomba alors que c'était pas le cas. Rebondi sur le bloc la traversée dessus. N'importe quoi. C'est censé décoder le jeu quand même. Thank you.
Deux adversaires qui sont en mauvaise place. Il n'y en a qu'un seul qui devrait pouvoir le faire. Mauvais point. Allez, c'est un niveau de crasse, normalement c'est pas possible. Yes, on est. Le temps de filer mieux vaut être présent sur le temps. Soit une étoile, soit une fleur, pas moi. Pas. Non, je suis de plus en plus vite, mais ça, ça doit être pour pareil. Allez. Non, autant il y en a un autre. On est plus deux. Oh, il t'emploie à mort l'autre. Oh, il t'emploie à mort. Il doit avoir un sacré. Une sacrée réserve de temps. Pas moi. Pas moi du tout. Ouais, là, bon. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le temps, mais là, quand on est vraiment sur la fin. Mais il était trop bien en place, ouais. Il devait avoir plus de 300 pièces aussi. Son écran n'était même pas rouge, donc c'est que niveau temps, il était trop bien. Bon. C'est pas grave. Ah, je pourrais vous montrer le C4. Hein. Le 7-4 c'est une sorte de labyrinthe. Bon, le 8-4 aussi. Le 8-4 c'est un peu. Mais le 8-4 je peux pas vous le montrer. Ouais, je passe là. Je me rendrai un peu le 7-4. Thank you.
resynchronise dans ma tête là. D'accord. Oui, oui, oui. Le 1-2-1-2, ça, je suis complètement d'accord. Ils auraient pu faire. Sur la bataille normale, c'est... Je comprends pas leur logique parce que. Enfin, leur logique. C'est. Des niveaux qui sont faits pour remettre du temps, reprendre des bonus. On en a pas besoin constamment. Donc on les. Sur 3 sur 4 niveaux, ok, d'accord. Voire une fois sur 2 sur la fin, parce que sur la fin ça devient compliqué. Et qu'on puisse les enchaîner comme ça. C'est pour ça que les batailles spéciales sont intéressantes. Que du par cœur. C'est pour ça que c'est intéressant de créer un vrai random dans les niveaux. C'est plus forcément du par cœur. On peut très vite apprendre par cœur les premiers niveaux. Et quand tu es parti de la nouvelle génération qui s'intéresse à ça, parce que c'est pas que des vieux joueurs qui font ça. C'est plus jeune aussi quand même. Royal. Tu leur mets ça entre les mains avec le niveau dur. Vrai challenge. Ah oui, comme ça la plante piranha là. Thank you.
sur le... pas tomber. Hop, hop, hop. On se calme. Oh, merde. Bien. Et... Oh non, pas niveau pratique. Qu'est-ce que je fais pas ce niveau? Pas les plus durs, c'est pas intéressant. Puis c'est pas logique. Là on nage dans l'eau, on voit bien, c'est de l'eau, il y a les vagues de l'eau, les pics de l'eau. Il y a deux, trois niveaux où on aperçoit de l'eau, on est sur des pontons, on peut pas tomber. Et là je me prends un loup. Ah. Et du coup si on tombe dans l'eau, on meurt. Logique, Mario quoi. Ah non, c'est pas les meilleurs niveaux, pas d'accord du tout. Pas intéressant. Oui. Est-ce que le 19 est parti? Oh, encore 3. Encore 3 pour faire partir le 19. Avant de faire partir le 19. Ouais, enfin, sous condition qu'il n'y ait pas de but. Juste avant de faire l'autre partie. On va faire. Parce que sinon, je pense que j'aurai jamais l'occasion de le montrer. Il y a plein de choses que vous avez déjà vues. Quasiment tout. Pas tout, mais quasiment tout. Là, justement. Le 7-4, le 7-4 il est intéressant. Alors, c'est un entraînement. Donc là, si je me souviens, c'est en haut. Alors, c'est pas en haut, c'est au milieu, en bas. On vient là. C'est en bas. Au milieu. En haut. Encore en haut. En bas milieu, en haut, en haut. Ah, flûte. On refait. Nope. Mais ce niveau, il est gentil parce qu'il nous remet à la dernière étape. Ce qui n'est pas le cas du 8-4. 4, si on se trompe à un endroit du labyrinthe, on refait du début. En bas. Ah non, c'est là. Ah! Je l'ai fait la semaine dernière, celui-là sans faute. Comment je peux me tromper maintenant? C'est ça. Faut tomber, remonter. On va le refaire. On va le refaire correctement. Sachant que j'ai pris aucun bonus. Hein. Normalement, quand on arrive là, on a au moins un champignon. J'ai dit quoi? Bas, milieu, en haut. Bas, milieu. En haut.
peu en haut. Tomber ici. Ah non. Tomber ici. On remonte là. On remonte là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est l'escalier. Ah! Pas d'accord avec cette mort là. Une fois. Ah putain. Bon, vous avez compris l'idée. Thank you.
prends une fleur, et au moment où je tape le bloc, je peux toucher, je redeviens petit, mais la fleur c'est quand même. C'est complètement cheaté. Thank you.
Ah purée, le... pas le moment là par contre. Oh yes. Deux pour virilité. Allez, on s'y appelle. On va pas s'y appeler. Thank you.
Oui, ta vie. C'est bien plus des 20 pièces. Dans Mario 35, on dirait un bruitage dans Pyramide. Oh bah. Il n'y avait pas le block pause, etc. Sur le 1-2, il y a la fleur rapidement, c'est plus simple. J'allais en plein dedans. J'aurais pas dû aller en plein dedans. Mon deuxième. Allez, dernière partie. Beaucoup utilisé de choses pas que la réponse aujourd'hui. Thank you.
Oh. Les deux comme ça là. Normalement, le moteur graphique de la NES, de la console de Super Mario, mais pas en affiché au fond. Thank you.
Non! Suis pas fier de ça. Bon. On les regarde. Ils sont plus que deux. Il y a Ed. Il n'y a pas trop de pièces. Il y a une étoile, mais pas de fleurs. 225 secondes. Il a des fleurs. Plus de pièces, mais moins de temps. Qui va gagner? C'est une bonne question. On est sur un avec Submissive. Ouais, donc voilà, on va rester sur Ed. Je préfère son tour, je sais pas pourquoi. Il est en train de finir. Il est sur le niveau du Lakitu. Ah, il prend le passage. Ah, ok. C'est ambitieux de sa part. C'est soit les pièces, soit le temps. Il a préféré les pièces. Il claque le bonus direct, tout ça pour avoir l'étoile. Ok, on va garder la fleur. On va passer les pièces. C'est un choix. De la frame, ah non, fonce, voilà, t'as le champignon ici, je le rate, dommage, re-étoile, fonce, re-étoile. Je vais prendre le passage, mais tu le, oui, voilà, du coup, tu peux plus prendre la warp zone, qui amène vers le 5, ah, le pauvre, il va être, voilà, c'est fini, voilà, dommage. C'est dommage. Bon. Dernier coup d'œil sur les stats. On a viré le 19 normalement. Oui, en effet, on a viré le 19. On va refaire 4 parties. Virer le 10 et le 11 en espérant ne pas faire trop de bêtises pour avoir une belle ligne. Vraiment au-dessus du 5. Pas mal. Je pense que ça sera fait d'ici la prochaine fois, je pense. J'espère. Prochain stream Mario 35. Alors. Si le jeu s'arrête bien le 31, j'espère que ça s'arrête pas le 31 à minuit 1. J'espère que ça s'arrête le 31 vraiment à 23h et quelques au soir, donc pas la veille. Donc ça, on pourra faire une belle soirée, une belle grosse soirée Mario 35 mercredi prochain. Si tout va bien. J'irai me renseigner. Si c'est pas le cas, on pourra le caler à un autre moment avant. Sachant que la journée, ce sera pas possible. Donc. Je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, il y a les plannings qui sont affichés dimanche soir au plus tard. Prochain stream sur Ivasan Studio demain, jeudi 14h. Asparasi, avec Equipon, j'ai toujours du mal à prononcer ce jeu. Très bon jeu. Allez-y, vraiment, allez jeter un œil sur Asparasi. Ce jeu mérite d'être connu et reconnu. Et pour ma part, je vous retrouve vendredi 14h sur. Normalement, le dernier stream de Soldat Inconnu, le jeu historique de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Sur ce, passez une agréable soirée. Voilà, tout simplement, sur les réseaux, sur une Discord, cordialement. Bisous!